Alors, je ne voulais pas annoncer, mais je pense que tout le monde doit le savoir. Jorge Sampaoli a quitté l'Olympique de Marseille. Cet été, l'OM connaît un énorme retournement de situation avec le départ de Sampaoli. De nombreux supporters olympiens, dont moi, ont fait savoir leur incompréhension quant au départ assez soudain du coach argentin. Aujourd'hui, nous, Olympiens et Phocéens, joueurs et supporters, connaissent un nouvel entraîneur, l'arrivée d'Igor Tudor. Arrivé à la fin du mois de février 2021, Sampaoli aura passé une saison et demie à la tête de l'Olympique de Marseille. Il finit de belle manière la saison 2020-2021 en relançant notamment Dimitri Payet à son plus haut niveau et permet à Marseille de finir 5e du championnat. Cette saison, il développe encore plus son jeu alléchant qui fait de Marseille et de ses nouvelles recrues une des équipes de Ligue 1 les plus plaisantes à voir évoluer dans le championnat. Il parvient également à mener les Olympiens en demi-finale de la Ligue Europa Conférence et en Ligue des Champions. Si Sampaoli a aujourd'hui fermé la page marseillaise, on connaît aujourd'hui les raisons de ce départ. Un profond nouveau désaccord sur le mercato à la Villas-Boas. Quand Olivier Thuram a signé à l'OM et que Villas-Boas n'était pas d'accord, donc il a démissionné. Là, c'est la même chose. Arrivé deuxième de Ligue 1 cette saison, l'Olympique de Marseille retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine, mais sans Sampaoli. S'il y est beaucoup dans cette qualification C1, l'ancien sélectionneur de l'Albi Céleste a quitté l'OM laissant sa place au Croate Igor Tudor. Sampaoli était en profond désaccord avec le mercato qui se dessinait à l'OM. L'Argentin avait notamment bien indiqué à son président Lombardi qu'il voulait absolument voir son effectif se renforcer afin de faire le pot en campagne de Ligue des Champions pour la saison à venir. Pas question de faire de la figuration. Si Sampaoli disputait la Ligue des Champions avec l'OM, c'était pour y performer. Et ça, il avait raison. Nous, supporters de l'OM, on réclamait ce que Sampaoli réclamait. Dans l'attente des feux verts de la TNCG, Longoria travaillait au recrutement de l'OM. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu pour le président olympien. Si le jeune joueur du SCO d'Angers, Mohamed Alichou, a filé entre les mains de l'OM pour s'engager à la Real Sociedad, c'est l'échec du dossier d'un autre joueur qui a définitivement fait partir Sampaoli, le dossier Axel Witsel. Sampaoli désirait voir revenir à l'Olympique de Marseille le milieu de terrain du Borussia Dortmund, Axel Witsel. L'échec de l'OM dans le dossier de l'international belge aux 122 sélections et à 12 buts a définitivement scellé la décision de Sampaoli de quitter la cité phocéenne. Désiré pour son expérience au plus haut niveau, Axel Witsel s'est finalement engagé à l'Atlético Madrid, où il évoluera sous les ordres d'un autre Argentin rempli de passion, Diego Simeone. Sampaoli a vu dans l'échelle de ce transfert qu'il ne pourrait pas évoluer avec l'équipe qu'il réclamait pour la saison à venir et a préféré ne pas aller plus loin avec l'OM. Voici la globalité de la raison du départ de Sampaoli. Bonne suite pour toi, Sampaoli. Malgré les choix très discutable que tu as fait, notamment avec Stéphane Mandanda, etc. Tu as fait un très bon, une bonne saison et demie avec nous. Je te félicite, je te souhaite bon courage pour l'avenir en espérant te revoir à l'OM. Et bienvenue, je ne l'ai pas encore dit, mais bienvenue Igor Tudor, et j'espère que tu vas nous faire avancer. Et j'ai un petit peu peur malgré ce que j'ai vu aujourd'hui.